Bonjour, vous êtes les bienvenus à la Forêt des Livres. C'est une signature d'écrivain sous les arbres centenaires, gratuite, ouverte à tous. Allée des bouquinistes, café littéraire en plein air, école d'écriture sur le pré, stand contre l'illettrisme. Les livres sont issus des arbres. Il fallait que les écrivains reviennent avec l'hommage de leurs feuilles. 150 auteurs dans un village forestier de 150 habitants en Touraine, c'est la Forêt des Livres, une fête populaire, culturelle, gratuite, ouverte à tous, le dernier dimanche d'août, le dimanche 31 août. La veille, le samedi, a lieu ici à Champceaux-Préloge en Touraine, un colloque sur le thème Renaissance et Nouvelle Renaissance. Tout cela en Touraine, dans le pays de Rabelais, de Ronsard, de Balzac, d'Alfred de Vigny. Et puis, bien entendu, avec tous les auteurs présents, l'année dernière présidée par Bernard Pivot, l'année d'avant présidée par Maurice Druon. Cette année, c'est Hélène Carrère-Dancausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, qui sera notre présidente de la 13e édition de la Forêt des Livres. Venez tous partager cette fête de la culture en France. C'est en Touraine, le Woodstock de la littérature, le Glyndebourne de la culture. Les cabanes, les villages et enfin les académies à bord.